Bonjour, je suis Stéphane et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec film pour ce soir. C'est un film qui est sorti le 22 octobre 2015. Il dure 1h43, épouvante, horreur, avec Gary Marty et Anne Manson. Je vais vous parler d'un petit vide Playhouse. Attendez 30 secondes. Voilà. Après la mort de ses parents, une adolescente hérite d'une étrange théâtre dans la tellement célèbre Amityville et découvre qu'un personne inquiétante y s'attendait. Voilà. En fait, c'est juste une jeune adolescente avec son copain. Bah, va aller voir cette maison, ce théâtre, un grand théâtre, puis quatre de ses amis vont essayer de rester pendant le week-end, voilà, mais comme d'habitude, il y a toujours ce maudit esprit dans le théâtre, et c'est là qu'il va arriver plein de malheurs, voilà quoi. Plein de trucs qui bougent, plein de trucs pas honnêtes, des trucs voilà. Après la jeune fille essaye de s'échapper, mais la maison, le théâtre bloque tout passage pour personne quitte le théâtre. Et voilà, après un par un, les hommes deviennent fous et assassinent un par un les demoiselles doivent se cacher de ces hommes du sein, mais le théâtre aide vraiment ces sujets pour parvenir à attraper les jeunes femmes et voilà. Que je peux penser de ce film? Très intéressant, on apprend quelques bons trucs encore une fois, et voilà, la maison, l'esprit, il n'y a pas de cœur, hein, voilà, il attaque tout le temps les femmes, les trucs, et voilà, dans tous les films, c'est à chaque fois c'est comme ça, et voilà. Après, qu'est-ce que je peux donner cette note où je donnerai un 2 étoiles, ça va. Il y a la musique, j'apprécie, il y a la musique du premier film, ça m'a fait plaisir de redonner un peu, ça fait plaisir au début. Et c'est quand même. Et la jeune femme qui joue, l'artiste qui joue. La jeune femme ajoute très bien, et moi je me suis régalé, et voilà quoi. 2 étoiles, c'est déjà bien, et voilà. Et vous, est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous avez pensé? À vous de me dire quoi. Et voilà, voilà. Allez, moi je vais vous laisser, j'espère que vous aurez pu encore une fois. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et moi je vous dis ciao, passez une bonne nuit. Et vive le cinéma.